Rebonjour tout le monde, c'est Abriculaire pour la 25e partie de The Shadow of the Zone Garage. Je parle très vite. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a battu le mini-boss et la salle du mini-boss est devenue je sais pas comment dire. On peut les tuer comme ça, c'est vrai. Et là, la salle du mini-boss, je voulais dire qu'elle était devenue un peu moche à cause de tout le bazar qui s'est passé. Oh, le grappin, il est trop cool dans ce jeu. Comparé à dans Majora's Mask et Ocarina of Time 3D, et Ocarina of Time normal, quand on tire, il revient. Alors que dans les autres jeux, quand on le tire, il ne revient pas, mais quand même, tu l'as. En fait, c'est un grappin magique dans ce jeu-là. Mais meurs. Oula, attends, qu'est-ce que je dois faire là? Attends, ce coffre là-bas, j'imagine. Pour faire ça, j'ai pas assez de magie, purée. Et comment il repop cet ennemi? Ah! Ah ouais, d'accord. Carrément. Carrément. Ou alors, on peut faire ici. Non. Je vais prendre l'objet qu'il faut. Je vais pas forcément mis sur le bon truc. Ah bon? Oui, d'accord. Je suis déjà bloqué, je sais même pas comment on remonte. Il me faudrait de la magie. Or, j'en ai pas, alors... Ah, forcément, en fait, il tombe, mais il se fait pas mal. Trop cool. Alors, dans cette partie, je sais pas, on va essayer de faire le plus... Ah, merci. Le plus possible de ce donjon. Bah, merci, quand même. C'est pas comme si j'attendais d'avoir cet objet. Donc, j'utilise ça. Hop. Vous allez voir, ça encore c'est le top du vent sous sa première forme. Il y a une deuxième phase, top du vent, car ici il y a beaucoup de trucs qui ont plusieurs phases. Et le problème, c'est que la deuxième elle est beaucoup plus énervante que la première. Là on a encore la première. La deuxième, ça devrait pas tarder en fait. Donc là j'ai la boussole, ça m'étonnerait que j'ai un autre objet. Quand même dans un coffre aussi. Enfin, attends. Ah si, j'ai eu la carte, mais je suis surpris. Ah! Je crois que c'est là. Ah non. Là c'est juste pour monter en fait. Je me suis trompé. J'ai toujours pas la deuxième phase, mais la deuxième phase... Ah oui, c'est vrai, elle est... Je sais où elle est. Elle est chez Dumoria. Enfin, pas chez Dumoria, mais vous comprenez, elle est dans la prison de Dumoria. Prison très créée par des monstres très intelligents. Parce que vous allez voir pourquoi, hein. Enfin, je vais essayer de pas activer ce truc. Meurs. Voilà, j'y suis.
Ah bah quand même, en fait. En fait, le truc... Bon, cette maison, il faut faire... Ah, c'est... Ah, on n'est pas obligé de se faire toucher. Bah, c'est un peu dur de ne pas se faire toucher. Donc là, il y a du Moria qui attend. Et genre, je récupère le contenu du coffre, hein. Ah, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose là-dedans. Je sais où il faut aller. Il faut aller chez les Armos. Et pour aller chez les Armos, il faut faire ça, je crois. Non, fais pas ça, Link. Non, Link. Link, tu es stupide. Tu es a priori la personne la plus stupide que je connais. Et en plus, j'ai toujours pas cette caméra à la noix. Je peux pas faire de coupure. Eh oh. Eh oh. Mais arrête Gamepad. Arrête de bouger. Eh. Oh. Eh oh le jeu. Arrête de bugger. Voilà. C'est pas si compliqué. Bon. Vous comprenez que j'aime pas trop le temple du vent. Enfin, il est joli. Certes, il est joli. Mais il est très, 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 très long. Et très, 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 très... J'attends votre réponse. Énervant. Enfin, après... Je comprends pas trop ceux qui aiment le temple du vent pour son gameplay, hein. Car vraiment, c'est très énervant, hein. On sait pas trop ce qu'il faut faire. Même quand c'est stupide, j'essaie de chercher les moyens les plus compliqués. En fait, ce sont les plus simples qu'il faut utiliser. D'ailleurs, pour ce que j'ai fait... Ah, mais purée, en plus. Je me prépare à l'avance, mais en fait, non. Ah, d'ici, ça va être un peu mieux, quoi. Hein? Je sais pas comment on atteint cet endroit. Par là-haut? Attends. Je vois pas trop ce qu'il faut faire. Avec du Moria, on peut pas voler comme avec Medoli. On peut faire quoi là? On peut aller là par contre. Je dis pas qu'il faut faire juste un petit tour là comme ça pour bien se dégourdir les jambes. Je sais pas trop en fait. Non. Ah, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je parie que c'est un truc stupide. Et par exemple que c'est marqué juste sur mon front. Attends, là c'est plus haut ou c'est plus bas? Ou c'est à la même hauteur? Je crois que c'est à la même hauteur, donc je peux pas atteindre. Ah. Et surtout. Bon, et puis zut. Non, en fait, déjà on va la porter ici du Moria. Hein. Ou alors il faut prendre le chemin là-haut. Est-ce que ça cache? Ah non. Oh bah c'est super là. Du Moria, il est surtout adapté pour faire ça. Et c'est quand que j'arrive à une plateforme? La suite du donjon est par là. Réfléchissons. Et forcément,
Mais tais-toi. Je sais très bien, hein. Oh non. En plus de feu. Mais quoi? Aïe! Et non! Ah, purée, non! Mais du Moria! Du Moria est... comment dire... lent. Ah bah ça va, ce sont juste des drops magie. Là. Non mais arrête! Arrêtez s'il vous plaît! Mais du Moria, peut-être qu'il est moche, peut-être qu'il est laid, peut-être qu'il... Oh toi, toi, meurs! Merci, oh mais j'ai dit... Ah quand même. J'ai plus beaucoup de vie en plus. Et forcément je suis de ce côté. Et non mais... Oh, oh tête d'os. Voilà, maintenant champ libre pour du Mori. Ok, bon. Ok, quand c'est pas l'un c'est l'autre. Ah tiens, c'est tombé là. Enfin! Parce que oui, il faut le porter. Hein. Enfin, il faut le garder au moins. Oh, c'est... Ces têtes d'os là, je les aimais pas maintenant. La deuxième simple. Non, 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 non. Le truc, c'est que là, cette partie va être très, très, très énervante par contre. Car il faut faire peu à peu en fait. Je veux pas d'abord tuer toutes les têtes d'os et ensuite planter les arbres. Non, on peut pas faire ça. On est obligé de faire ça. Comme ça, enfin, encore et encore. J'ai dit encore. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, il ne reste plus que du Moria plante tous les arbres et c'est bon. Oh non, purée. Voilà, c'est bon. Je sais, j'essaye de me concentrer et j'évite trop de parler. C'est pas contre vous, hein, c'est contre les ennemis, c'est contre les têtes d'os. Ah oui, par contre, l'avantage du Moria, c'est qu'il est petit et c'est que les mains arrivent à le repérer seulement si elles sont à 1 cm de lui. Ça, c'est un truc pratique. Hein. Pourquoi je coupe l'herbe? Je peux pas avoir des fées dans l'herbe. Il peut en avoir par contre dans les peaux. Mais par contre, il n'y a pas de peaux en fait. C'est ça qui est marrant. Oh! Oh, bien joué de comprendre.
Bon, toi, tu restes ici. Ah oui, voilà la deuxième partie du donjon. Ah non, pas. Non, j'ai rien dit en fait. Ok, il faut aller tout en bas. Ah! Oui? Ah d'accord. Je viens juste de m'en souvenir. La deuxième phase du donjon, en fait, elle est juste à côté de moi. Hein. Youhou! Non. Heureusement que les pillades sont aussi, sont aussi très lents. Non, sont eux aussi très lents. Allez, plus vite! Plus vite, petit cheval! Je peux quand même voler, hein. Je suis pas un noob. Ah bah non, je peux pas voler. Je suis un noob. Ah d'accord, je m'en suis. Je comprends. Allez, deuxième partie du donjon. Enfin, deuxième phase du donjon. Vous allez bientôt comprendre pourquoi c'est très énervant. Parce que déjà, il faudra dépenser beaucoup de magie. Mais aussi, ça fera une sorte de labyrinthe. Ah, là, voilà! Et donc, c'est pour ça qu'on va aller... Ah oui, c'est vrai. Ça se désactive de temps en temps. Tu t'envoles. Attendez une seconde. C'est là qu'il faut que j'aille. Non mais comment j'ai pu faire un game over aussi pathétique? Non, moi je sais pas, bah oui. au moins vous voyez qu'on peut perdre dans un jeu. Pourtant j'ai survécu pendant longtemps, hein. C'est pas pour me vanter, mais voilà. D'ailleurs je sais pas à quoi ça pourrait servir, c'est le truc. Mais là ce qui est... pratique, c'est que j'ai juste à faire ça, à prendre quand même de la magie, hein. Non, mais purée de pillettes à la noix, je ne vous aime pas. Je comprends pas comment Nien de Café peut aimer les ananas. Parce que dans Ocarina of Time, non, pas si haut. Pas si bas non plus. Hein. Parce que dans Ocarina of Time, je sais pas pourquoi ça ressemble à des gros ananas. Yo, ah bah quand même. Par contre là, il faut éviter de se faire exploser. Et pourquoi il fait ça? Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Un peu, oh là là, quelqu'un est mort. Il faut revenir vite à notre place. Oh, on se réveille, hein. Voilà! Enfin, ils sont pas encore vaincus car ils ont encore une explosion. Quand t'as du Moria, il faut juste qu'ils viennent. C'est très simple. Ok, attends, il est pas un peu où là? Ah oui, c'est vrai. Il est haut, c'est vrai. Mais aussi, le vent est ton ennemi dans ce donjon. Parce que ça s'appelle. Enfin, le truc c'est que le temple du vent, le vent c'est ton ennemi. Le temple de la terre, il n'y a pas trop de terre en fait. Le temple de la terre, c'est pour ça que je l'appelle souvent temple de l'ombre dans ce jeu.
Oula, attention, piège. Non. Non. Tu le lâches. Même si je l'aime pas, tu le lâches. Non mais furet. Ça c'est ce qu'on appelle un gros troll de palissade. On prend enfin ces objets qu'on aimait tant. On se sert autant beaucoup dans ce donjon hein, de cet objet. C'est pas pour dire que mais les bracelets de force on s'en sert pas dans le temple de la terre. Alors que... Oh. Une plume d'or. Aïe. Non, c'est ma plume d'or. Oui, cette partie est aussi assez longue. Hein. Je fais en ce moment des parties longues, donc je l'ai déjà expliqué. C'est juste parce que ce sont des donjons et qui dit donjons dit très long. Et surtout ceux de Windmaker en fait. Ils sont pas spécialement courts. Ça, je m'en suis souvenu par cœur. Attention, ça va exploser. Non, non, ne restez pas là. Ça va exploser. Bon, d'accord. Non, pas trop en même temps, s'il vous plaît. Aïe. Mais arrêtez. Surtout, si vous... Allez, attaquez. Voilà. Alors là, ils vont. S'il reste un peu à côté, voilà, ils s'entre-attaquent. C'est du racisme. Hein. Vous allez voir. Oh, voilà, ils s'entre-attaquent. C'est du racisme. Le noir attaque les blancs. En plus, il a tué. Oh. C'est le nom d'un ennemi dans ce jeu. Remords. Bon, vous avez sans doute compris, hein. Je crois que déjà, même. Je parle tout seul de temps en temps, ça m'arrive. Ouais, quand même. Oh non! Là j'en ai marre! Ah d'accord, il y a plusieurs types de Wizrobe, comme ça! D'ailleurs, les Wizrobe ils ont plus de chances que repopper que les autres ennemis. Donc là j'ai toute ma vie. Non, 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 vous me laissez. Alors, je ne vais pas recombattre les grands Ormos. La dernière fois, c'était juste pour du Moria. Oh, mais tombe, tombe. Soit tu tombes pas. Hein. Oula. Non. Haha, tu m'as pas eu.
C'est pas ça qu'il faut faire, c'est dans l'autre ordre. Parce que pour moi, il y a deux ordres. Hein. Il y a le premier ordre et le deuxième ordre. Donc, on recombat. Est-ce qu'ils sont en deux ou trois? Deux. Par contre, ils ont... Par contre, leur armure est revenue. Une attaque qui one shot? Alors ça par contre j'aurais jamais cru. Ah non, là j'annule. Non mais une attaque qui one shot, enfin pas qui one shot, mais voilà, ça inflige 3. Par contre ça c'est cheaté. Bon bah on va se quitter là. Je vais avancer dans le donjon en fait. On va se retrouver dans la prochaine partie. Allez, au revoir.